Bonjour François-Olivier, votre vidéo formateur dans G Suite. Aujourd'hui, nous allons voir dans Google Sheet la recherche V. Alors, pour réaliser notre recherche V, donc déjà, l'exemple ici n'est pas forcément un exemple des plus pertinents, mais ça va nous permettre de voir déjà comment s'imbrique la recherche V avant de faire un exercice un peu plus réaliste, mais à un niveau un peu plus élevé. Alors, supposition, je suis voilà, un professeur. Et j'ai l'habitude de mettre des notes de 0 à 100, et j'ai l'administration, donc on va dire le rectorat ou directement le ministère, qui dit dorénavant, on met plus des notes de 0 à 100, mais on doit mettre des lettres. Et vous voyez qu'ils m'ont fait un petit tableau où ils me disent que les notes de 0 à 49, c'est E, de 50 à 59, c'est D, 60 à 74, C, 75 à 84, B, et 85 et plus A. Et moi, ce que je désire, c'est que quand je mets ici une note, juste en dessous, donc Google Sheet me donne la lettre. Alors, pour cela, on va utiliser une fonction qui s'appelle recherche V. Donc, je commence par mettre égal pour passer en mode calcul fonction et je commence à écrire recherche. Et vous voyez qu'il y a recherche V, recherche H, recherche tout court. Donc, nous, c'est recherche V. Alors, recherche V, qu'est-ce qu'il a besoin? Donc, il a besoin de rechercher le point commun entre les deux tableaux. Donc, ce qui me permet que quand je cherche ici une chose, que je trouve la solution. Donc, la solution, moi, le résultat final de ma recherche, c'est la lettre. Mais qu'est-ce que je vais chercher? Ici, le seul point que j'ai, c'est la note. Entre ce petit tableau, qui est tout petit, hein, vraiment, donc où j'ai une note, et ce tableau-là, ben, c'est la note qui me permet. Je vais chercher la note dans ce tableau, et quand j'aurai trouvé la note, eh bien, j'irai dans la colonne où il y a la lettre, et je pourrais savoir donc de quelle lettre il s'agit. Donc ici, je vais rechercher donc la note, point virgule. Ensuite, la plage. La plage, ben, c'est dans quelle plage de cellules, dans quel tableau il doit chercher donc ce point commun. Alors attention, ça s'effectue dans la première colonne, et comme je fais un léger petit piège, hein, si vous regardez, voilà, ici, j'ai mis une petite explication afin de mieux comprendre ce que je cherche. Donc ici, j'ai mis une note de 0 à 49, 50 à 59, etc. Bien sûr que aujourd'hui, Google Sheet n'est pas capable de lire et de comprendre ce qui est écrit. Lui, ce qu'il lui faut, c'est des choses beaucoup plus basiques. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai une colonne, vous voyez, avec des nombres. Et c'est plus là-dessus que je vais chercher. Et je dois sélectionner aussi la colonne où il y a la solution. Donc je vais sélectionner toute cette plage de cellules, aussi bien les notes que les lettres. Je mets un point virgule. Index, mais c'est dans quel numéro de colonne il va aller chercher. Donc si ici, rappelez-vous, hein, j'ai choisi donc comme plage de cellules F7 à G11, donc F7 G11. Donc F, ça sera la colonne 1. Donc G sera la colonne 2. Donc il va aller chercher en deuxième colonne la lettre, point virgule. Et ensuite, bon, ici, l'explication, je ne la trouve pas très claire. Il marque, indiqué, c'est la colonne dans laquelle effectuer la recherche, la première colonne de la plage indiquée, et trier, auquel cas, la correspondance la plus proche pour clé recherchée est affichée. Je préfère mieux la définition suivante, c'est est-ce que ce que je cherche est quelque chose de environ, d'approximatif, et dans ce cas-là, ça doit être effectivement trié du plus grand au plus petit, comme dans notre cas, parce que si vous regardez là, ici, la note 76 ne figure pas dans la première colonne, donc comme elle ne figure pas, c'est quelque chose d'approximatif, et vous voyez que c'est trié du plus grand au plus petit, de 0 jusqu'à 85. Sinon, on verra que si je cherche une correspondance exacte, dans ce cas-là, je ne vais pas utiliser le terme. Donc, vrai ou faux. Ici, donc, je cherche quelque chose de. Est-ce que c'est donc approximatif et trié? Oui. Donc, je mets vrai. Je ferme la parenthèse. Et vous voyez que déjà, Google Sheet a trouvé la lettre B. Je valide. Il me met B. Et du coup, si je mets par exemple 42, vous voyez qu'il trouve E. On va essayer autre chose. Hein. On va mettre 89, il me trouve A. Et si je mets par exemple 60, il me trouve C. Bien.
Donc là, avec le vrai, on voit que je peux rechercher quelque chose dont il ne figure pas dans le tableau. Hein, comme ici, j'avais des notes comme 76, 89, qui n'étaient pas dans le tableau, mais il est capable de rechercher ce qui est le plus proche, mais en ne le dépassant pas. Donc, par exemple, quand j'ai dit 48, eh bien, il a fait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et quand il est arrivé à 48, on n'a pas encore atteint 50, donc c'est E. C'est pour ça, comme vous pouvez voir, de 0 à 49. Et dès que j'atteins, par exemple, les 50, il passe à D. Et il incrémente comme ça sa recherche. Donc, c'est quelque chose d'approximatif et de trier du plus grand au plus petit. Maintenant, si je cherche quelque chose d'exact, dans ce cas-là, je ne vais plus utiliser à la fin le paramètre vrai, mais je vais utiliser le paramètre faux. Je valide. Il trouve C. Alors c'est normal, 60 est bien dans le tableau. Si je remets l'exemple, par exemple, de tout à l'heure, 76, eh bien là, il me met NA, non applicable, parce que 76 n'est pas dans le tableau. Et vous voyez, valeur 76 introuvable lors de l'évaluation de VLOOKUP. VLOOKUP, c'est la traduction en anglais de la formule recherche V. Donc, vous voyez, effectivement, avec le faux, il n'est pas capable de trouver quelque chose qui ne figure pas dans le tableau. Il doit avoir une correspondance exacte. Alors que si je mets vrai, comme on a vu, je peux avoir des choses approximatives si la première colonne est triée du plus grand au plus petit. Voilà. Alors, je vais remettre 60, hein, on voit bien, ça fonctionne. Et pour bien montrer, à vrai dire, je vais refaire, je vais mettre vrai. Il trouve 60, mais si je remets 76 comme tout à l'heure, il voit. Ça, c'était une recherche simple en ayant, je dirais, le premier tableau et le deuxième tableau dans la même feuille. Donc, ce que je recherche est dans la même feuille, ou voilà. Ou dans le même fichier, ça serait assez simple. Mais des fois, ce qui peut arriver, c'est que je vais faire une recherche, comme ici, rechercher les informations, et vous voyez que ben je n'ai pas la solution dans ce tableau et je suis obligé d'aller dans celui-ci pour aller chercher les informations. Donc c'est un autre fichier. Donc dans ce cas, on va utiliser toujours la recherche V, mais on va utiliser aussi un import range. Donc je vais mettre égal. Donc je tape recherche V. Il me demande la clé. Alors, avant de continuer plus loin, quel est le point commun entre les deux tableaux? Donc j'ai des pays, date d'adhésion, dette publique. Pays, date d'adhésion, dette publique. Qu'est-ce que j'ai dans l'autre? J'ai le pays, superficie, population, densité, idéal. Donc si on regarde, la seule chose qui fait que je peux passer d'un tableau à l'autre, le point commun, ce sont les pays. Le pays, et après, une fois que j'ai trouvé le pays, je peux trouver la superficie. Donc si je regarde l'Allemagne, si je trouve l'Allemagne, je trouve effectivement la superficie. Pareil pour la population. Je prends l'Allemagne et population. Donc c'est bien le pays qui me permet de passer, qui me fait la liaison d'un fichier à l'autre, d'un tableau à l'autre. Donc je mets égal, recherche V. Voilà. Qu'est-ce que je vais chercher? Le pays Allemagne. Voilà. Point virgule. Et là, maintenant, je dois rentrer la plage de cellules, sauf qu'elle est dans un autre fichier. Donc, je vais utiliser une autre formule, import range, voilà, qui me demande tout simplement l'URL du fichier. Donc, je vais aller chercher l'URL du fichier. Voilà, je la copie, je la colle. Pensez à la mettre entre guillemets. Point virgule. Et il me demande la plage de cellules. Donc la plage de cellules. Ici, bon, je vais tout prendre. Hein. Je ne vais pas m'embêter. Donc c'est de A1. Et si on regarde jusqu'à
J'ai 42. Et là aussi, je dois mettre entre guillemets A1, 2 points, j'ai 42. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, point virgule. L'index, donc dans quelle colonne? C'était la colonne 2. Est-ce que je cherche ensuite quelque chose d'approximatif ou d'exact? Dans notre cas, c'est quelque chose d'exact. Donc, je vais mettre faux. Je ferme la parenthèse et je valide. Et là, vous devez associer ces feuilles. Donc, je vais autoriser ce fichier donc de recherche V à avoir accès à mon fichier où j'ai les données. Donc là aussi, c'est une sécurité, on pourrait dire dans Google Sheet, comme ça, c'est pas n'importe qui peut avoir accès à mon fichier si je ne le souhaite pas. Il peut très bien le consulter, mais ne pas faire de recherche ou des formules dessus. Donc, et là, je vais autoriser l'accès. Et vous voyez qu'il a trouvé directement la solution. Si je me mets sur le côté, bon, juste comme ça, pour vous montrer un peu qu'il faut faire un peu attention. Qu'est-ce qui se passe? On passe en B2. Donc là aussi, je ne souhaite pas avoir B2. Moi, ce que je souhaite, c'est de rester sur A2. Donc, il faut utiliser ce qu'on appelle les références absolues et relatifs. Et ici, c'est un mix. Donc, je vais utiliser, je vais rester sur la colonne A et pas aller sur A, B, C. Donc, je vais mettre un dollar devant le A. Voilà. Et là, si jamais je tire, on voit que je suis passé à 37 000 et je peux mettre du coup ici 3. Et vous voyez que j'ai la population. On va quand même aller vérifier dans le deuxième fichier. Donc 37 000 et la population de 80 millions. 357 026 et 80 millions, ce qui paraît exact. Donc si jamais je tire jusqu'au bout. Et que je change, je mets 3, je mets 4, je mets 5, 6 et 7. Je prends cette ligne et maintenant je tire vers le bas. Voilà, on va prendre un pays au hasard, Malte, qui est assez simple, superficie 316 et 408 000. Si je vais voir de l'autre côté et je vais chercher Malte, 316, 408 000, ce qui correspond bien. Donc ici, j'ai fait une recherche V sur un fichier sans avoir les données au préalable qui se trouvent dans un autre fichier. Or que comme vous pouvez voir, il y a plus de données puisque je passe de Allemagne à Australie, Autriche. Or que de l'autre côté, j'avais Allemagne-Autriche, pas d'Australie. Donc on voit que j'ai pu remplir mon fichier grâce à une recherche V dans un fichier qui n'est pas, je dirais, dans le même. Donc ce n'est pas une autre feuille, ce n'est pas comme tout à l'heure hein, où j'ai fait dans la même feuille ou de feuille à feuille. Là, c'est vraiment d'un fichier à l'autre. Par contre, il faut bien voir, j'ai utilisé une recherche V avec pour aller chercher un upper range en n'oubliant pas que je dois avoir accès au second fichier. Dans le upper range, je vous propose d'aller voir la vidéo formation concernant l'upper range et vous voyez, n'oubliez pas de mettre des guillemets au niveau de l'URL et des guillemets au niveau de la plage. Pas besoin de préciser la feuille si les données sont dans la première feuille. Sinon, il faudra donner, si c'est dans la troisième, quatrième ou cinquième feuille, le nom de la feuille. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Google Sheet et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation.